What's up guys, PowerJulien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Infamous 2. Donc c'est parti, il y a déjà des petits méchants par ici. On va se les faire, voilà, ça fait de l'XP gratos. Et pour faire un joli combo, okay, hop là, tu dégages. Donc voilà, on est tranquille, on est posé. Il y a un artiste de rue qui a réussi à fuir. Oh mon dieu, c'est le premier parce que les autres je les avais tous eus. Bon, on va aller directement lancer cette... Qu'il est laid celui-là? Tu ressembles vraiment à rien toi. Hein. Voilà, hop, on a réglé ce problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tuer ce mec. Si on peut. Putain, merde, ça a explosé. Voilà, là je l'ai sauvé alors que je le veux pas, bordel. Je veux juste le fragment. Ok, donc il y a des méchants qui ont ramené leur gueule, c'est ça le délire? Ah bah, allez loin. On va récupérer le fragment justement. Voilà, parfait. Et plus qu'un pour augmenter nos, notre puissance. On va tuer les flics, voilà. Avec la milice, et on lance la mission. Ah, Cole. Tout est en place. La Roche et ses hommes sont... C'est pas vrai, vous pourriez vous concentrer 5 minutes. Toute la journée, j'ai... C'est quoi le plan? Bon, quand vous avez détruit les tourelles, moi et mes hommes, on débarque, et on saccage tout. On va ramener votre gadget. Ce gadget est un système de transfert. Dites à vos hommes de faire gaffe. Ouais, mes gars ont tendance à être impulsifs, c'est vrai. Si vous nous aidez à virer la milice, ce truc sera à vous. Et on pourra le détruire, c'est ça? Ou voler des pouvoirs, non? Pourquoi il faut toujours que tu aies bon, les pires idées? On verra ça plus tard. Il faut qu'on voit comment prendre le contrôle du fort. Ben, comme l'a dit le pervers, toi et moi, on commence le côté nord, ensuite j'aide à nettoyer l'intérieur du fort. Et après, toi et moi, on va tout démolir du côté sud. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas travailler ensemble, les filles? Eh ben, je sais pas. Tu veux qu'on s'entretue ou qu'on tue la milice? Je peux donner mon avis? J'adore les combats de filles, vous savez, tous ces coups de griffes et ces cheveux tirés. Faites attention, je vais vous tuer. Allez, mettons-nous au boulot. J'ai déjà entendu ça. Et vous? Non. Oh, ok. C'était bizarre. Ok, je sais pas d'où ils nous ont sorti ce Laroche chelou, mais... Ouais, il est chelou, donc ça y est, on balance directement une attaque contre la milice. On va donc récupérer ce machin là, comme ils disent. Donc ce, cette chose qui permettrait de voler des pouvoirs. Et ça serait pas l'IMS? Enfin je sais pas, la vérité j'ai complètement oublié si on s'était fait voler ou pas. Bon on verra bien, de toute façon on sera vite fixé. J'ai l'impression, ouais c'est la même attaque, en fait c'est le même fort et tout. Les mecs se sont réinstallés, genre posés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au bout du couloir là-bas et on va leur balancer un joli vortex dans leur petite face de merde. Voilà. Ça, ouais. J'ai fait que 5 victimes. Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà assez sympathique. Et je pense qu'on va lui mettre un combo complet. Non, il est déjà mort. Allez. Pour qui j'ai essayé de lui mettre un truc, mais non. Alors, Kuo, est-ce que tu aides? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que tu fais. Par contre, là... ok, j'ai plus d'énergie. Ok, d'accord. Bon, je me fais un petit peu... je me fais un petit peu violenter, hein, pour pas vous mentir. Les mecs sont, sont assez chauds, là, pour ce fight. Alors, on va faire ça. Voilà, il y a le gros badass, là. On va essayer de se faire au préalable. Alors, c'est... Pourquoi il est grand, celui-là? Depuis quand il est grand, toi? Tiens, dégage. Et bim! Magnifique, toi. Alors, déjà... Ah, bah, je l'ai tué. Je m'attendais pas à le buter aussi facilement avec un vieux coup de pied. Oh là là! Heureusement que j'ai eu l'instant d'invincibilité parce que là j'étais dead. Hein. On va en rebalancer un. Voilà. On va détruire cette tourelle. Ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Voilà. Hop. Esquive qui sert à rien. Grenada. Attendez, je crois qu'il y a un mec vénère à la Gatling là. On va lui passer quelques tirs dans la tête si on peut. Ouais. Oh! J'en ai marre parce que quand j'aide Kuo. Ça me fait devenir gentil, je vois pas pourquoi. Pourquoi? Parce que je gérerai des ennemis. Ça me transformera en quelqu'un de gentil, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas compris leur délire. Laisser de l'XP normal, en plus j'ai même pas fait exprès de l'aider cette conne là. Tiens voilà, cadeau. On va. Ah bah elle est détruite déjà. Je sais pas qui s'en est chargé. Ou alors peut-être que ça a sauvegardé tout à l'heure, ça a dû sauvegarder. Hop, alors. On va tous se le faire comme ça. Une petite triple, magnifique. Et on détruit la tourelle. Voilà, voilà. Bah, je pense que. Je pense qu'on est bon, ouais. Veuillez entrer pour aider à trouver le système de transfert.
Le système de transfert. En fait, je crois que c'est une certaine métasphère, non? Hey, Zek. Ouais, je vois. Le transformateur le plus proche se trouve pas loin du chantier. Je t'envoie la position. Cool, merci. Donc, comme je vous ai dit, à mon avis, c'est une sorte de métasphère. À mon avis, c'est ce que Bertrand a dû activer pour obtenir ses pouvoirs. D'ailleurs, on sait toujours pas de quoi il est capable. C'est pour ça que le mec, il était posé, quoi. Il est allé comme ça, il fait « Oh, t'as pas, je m'inquiéterais plutôt pour ta tête. » Genre, le mec, il s'en bat les couilles. En fait, il doit avoir des pouvoirs de gros malade. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Parce que là, je... Ah! Une fois que je suis transformateur, faut pas que je me recharge tout simplement. Il faut aussi que je réactive avec le missile Tesla, la con, c'est ça? Genre, ouais, c'était ça. Ok, c'est parti. Allez, hop. Donc, il faut que je le réactive. Il est où? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Eh, je l'ai pas eu, hein. Et c'est à la limite de l'impossible, ce que vous demandez, là. Ah ouais, d'accord, bah oui. Espèce de poubelle à la con. Attendez, on va la dégager, cette poubelle. Dégage. Voilà. Et là, on va pouvoir tirer tranquillement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre une sorte de virage, comme ça. Voilà, passer en dessous, ici. Ça, ça a marché, ça a marché. Parfait. Donc voilà, on a rétabli le courant dans le fort. Et on va pouvoir se continuer à se fight. Ou non, même pas, il y a toujours pas de courant. Oh là là, ils sont pas... Ah, ils sont pas trop chiants avec ça, non, pas du tout. Alors, il y a un petit con sur le toit, là. Tombe. Tombe, Shady. Hop là. Au passage, pour ceux qui aimeraient que je fasse TF en let's play, je tiens à vous prévenir que c'est pas sûr du tout. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Mais vu que c'est un peu copié sur Dishonored, en fait, c'est Dishonored sans... Non, je crois même qu'en plus, il y a les pouvoirs. Et franchement, ça me dit rien, parce que... oui, je suis peut-être un monstre, ou je ne sais pas ce que vous voulez. Mais j'ai pas aimé du tout Dishonored. Je l'ai trouvé chiant comme jeu, et franchement, scénaristiquement, inintéressant, etc. Beaucoup de gens vont pas être d'accord avec ce que j'ai dit, mais je suis désolé. Trouver quelque chose où Dishonored a innové, franchement, vous en trouverez pas. C'est un monde moyenâgeux avec un peu de futurisme. Et franchement, ça a pas cherché très très loin. Alors voilà, j'ai réussi à passer avant que l'autre il retire sa merde, parce que c'est vrai qu'il était assez chiant, ce connard. Et là, on va pouvoir, j'imagine, activer le dernier transformateur. Alors avec les trois, les amis. Alors on va enlever le... On va détruire le mortier si on peut. Mais... Ok, il n'y a personne dessus. Ça me fait de l'esprit. D'accord. Vieux bug, c'est pas grave. On est de retour en piste. Cole, bébé, t'es prêt à les bousiller, ces mecs? Ok, oui, donc c'est parti. Je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des gros badass ou c'est encore des armes lourdes? On va voir ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le fragment là. Ah ouais, c'est des mortiers. C'est bien ce que je pensais. Voilà, donc là, on a... Ah non, ça avait déjà augmenté ma limite d'énergie. Ok. Oh ben, cool. Ouais, on va éviter de... On va prendre trop notre temps. Alors, tu exploses. Toi aussi. Et le dernier, il est déjà mort, c'est bon. Alors, qui a osé installer des mortiers, là? Alors, toi, voilà, évidemment, tu crèves, et on va le détruire. Allez, voilà, parfait. Ensuite, bon, moi, je speedrun un petit peu, hein, on va pas se faire tous les ennemis. De toute façon, là, regardez, vous voyez ces petits cons, là? Là, regardez bien, regardez. Oh, mais arrête! D'accord, laissez-moi 2 secondes. Non, mais c'est pas vrai, j'ai même pas eu 1 seconde pour me relever. D'accord, parce qu'en fait j'allais leur faire le vortex ionique, hein. Je sais pas si vous avez compris le délire, ils se seraient fait arracher la tête. D'ailleurs on va le faire là, moi je réclame une putain de vengeance, je te le dis. Alors on va prendre le machin. Allez, voilà. Et allez, back and fly, hors note. Effectivement. Attends, ils sont où? Ils sont juste au dessus là. Comment je vais faire pour grimper? Hop là, allez. Et on est là, on est bon. Et là, tout le monde dégage. Voilà. Élimination x8. Ça fait très 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 mal. Et là, on va détruire donc le dernier mortier. Coucou monsieur. Tu vas me faire le plaisir de dégager. Ok, d'accord. Ok. Vous êtes nombreux en fait. C'est ça le délire. Voilà, vite détruis ça. Allez. Parfait. On a trouvé
trouver le système de transfert. Les gars l'ont sorti pour faire un bon gros feu de joie. Je vais apprécier de regarder ce truc brûler. Comment ça marche? Tu te l'allumes et tu t'y attaches et... tu souffres pendant que ça te déchire de l'intérieur. Oh... un noyau... Attache-moi. Ouais. Hé, hey, attends une seconde. Je croyais qu'on devait en discuter, Cole. Tu veux un nouveau pouvoir, un des miens? Et toi, tu me donnes un des tiens, ok? Non! Hé, hey, avoue-le. Ce serait bien d'échanger nos pouvoirs. Plus notre équipe est forte, plus on peut faire de choses, comme aujourd'hui. L'union fait la force. C'est faux, c'est faux. D'accord, hé. Hey. J'échange mes pouvoirs avec Nyx et après on le détruit. C'est promis. Non! Non, si tu dois échanger tes pouvoirs avec quelqu'un, ça doit être avec moi. Si tu l'as choisi, c'est fini, mon vieux. Si tu l'as choisi, j'aurai pas le choix, Cole. Je devrais te traquer comme un criminel. Oh, les femmes. Bon, bah, évidemment, on va choisir Nyx, hein, parce qu'en plus, ses pouvoirs, je les préfère. Il était temps qu'on échange plus que des mots. Oh, ouais. Imbécile! Comment ça va nous aider? Regardez ce que ça m'a fait! Je suis un monstre! Vous croyez que je le voulais? Tout ça, c'est plutôt sexy. J'avais une vie! J'avais une vraie vie! T'es prête pour ça? Oui. Profitez bien de l'enfer que vous allez créer ensemble! Et c'est parti! Ok. Que quelqu'un abatte cet hélicoptère et vient chercher Bertrand. Cette ordure était bloquée dans l'aile sud. Bertrand. Voilà, donc on a réussi à en passer pour Nyx, plus 100 XP en méchant, c'est parfait ça. Donc ce qu'on va faire, c'est vider au moins deux personnes en même temps. Donc on peut faire des vidanges de Nyx à plusieurs personnes en même temps, je vois, c'est cool. Ou pas d'ailleurs, ça sert à pas à grand chose j'ai l'impression. Donc attendez, qu'est-ce qui change maintenant? Est-ce que tu vas te laisser tuer? Ouais, c'est bien. Alors venons voir, si je fais une neurosution, non attendez, vider au moins deux... c'est quoi ça en fait? Ah c'est le... D'accord, d'accord, bon, on va te tuer juste pour le kiff. Mais j'ai compris, en fait, c'est un nouveau pouvoir qui remplacera donc le vortex. Dommage, le vortex était assez stylé, mais je pense que dans le cas de Kuo, ça aurait été la même. Alors, mon gars, je sais pas ce que tu fais avec ton fragment là, mais c'est le mien maintenant. Allez hop, merci. Cet abruti mérite ce qui leur arrive. Tout à fait, Nyx, t'as raison. Elle haine contre le peuple. Alors, vous êtes là, les petits cons, on va tester notre nouveau pouvoir. Allez. Wow, ok. C'est dark quand même, hein. Alors qu'est-ce que tu me veux toi? Allez hop, headshot. Et un autre coup pour toi. Putain, j'arrive pas sans le viseur. Et allez, voilà. Donc explosion fumante. Ouais, je me rappelle, ce pouvoir était vraiment très puissant. Et grenade napalm aussi, oh là là. Bah alors là, je vais hésiter fortement. Plus attaque enflammée. Ouais, donc ça c'est un grand moment, ce passage où on échange nos pouvoirs. On gagne vraiment pas mal de nouvelles compétences. Hey, tu... Ta tête là mon gars, ta tête. Voilà, exactement. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que ben, on va déjà acheter ce qu'on peut. Donc pouvoir, là on a tout. Grenade au napalm, voilà. Et je crois qu'en fait c'était... Non, ah dommage, ben, vivement qu'on débloque les triangles. On a donc l'attaque enflammée qui est sur R2. Pour le moment on a l'impulsion cinétique. Mais le meilleur, ça sera ça, je crois. Ça, c'est vraiment le feu. Donc pour moi, on va se prendre l'attaque enflammée. Ah, j'ai même plus d'XP. Déjà. D'accord, d'accord.
Donc ça s'est remis automatiquement sur le vortex. Vidange, ouais, c'est très bien. Mêlée, coup fatal, super attaque, donc ça c'est bon. Et là on peut rien acheter. Donc voilà, on a tout ce qu'on peut, hein, et après on montera à 3005. Alors là j'ai tué un mec, et il y a une mission qui vient de se débloquer, là c'est un peu à la prototype, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les souvenirs du mec pour déclencher une nouvelle mission, mais on le fera pas, c'est toujours une mission secondaire. Donc qu'est-ce que t'as toi? Ah, c'était pas toi que je voulais, excuse-moi. Toi là, pourquoi tu me fuis? Pourquoi tu me fuis? T'as eu chaud quand même. Est-ce que j'ai la grenade au napalm du coup maintenant? Normalement oui. On va la tester. Oh là là. Alors toi, ça fait bizarre quand même, hein. Elle est vraiment chelou cette grenade. Bim. Allez hop, un flic en moins. Alors où est la mission? Oh putain, regardez, on peut la voir de là la mission. Je savais pas qu'il y avait une distance d'affichage aussi importante pour les missions dans le jeu. Au moins on sait où elle est maintenant, hein. Mais bon, ça fait vraiment bizarre. Hop, un petit piaf en moins, on va récupérer, hein, c'est gratuit. Putain, mais vraiment ça me fait pitié comment tu tues les pigeons dans ce jeu. Le truc il se ramasse comme une pauvre merde. Ça fait vraiment pitié. Surveillance audio de Joseph Bertrand, dossier hop. A435. Ce nouveau local que vous êtes en train de construire sous le garage, il est vraiment énorme. Je vous tire mon chapeau, docteur. Notre technologie a juste 100 ans d'avance sur le reste du monde. Ne soyez pas si modeste. Quand j'ai rejoint les premiers fils, ils m'ont affirmé que leur technologie avait 100 ans d'avance. Maintenant, ça me semble presque sous-estimé. La première fois que j'ai vu cet endroit, je me suis cru sur une autre planète. Désolé pour la confusion. C'était juste des grottes. Je les connaissais bien. J'y jouais quand j'étais petit. Elles faisaient partie du réseau ferré souterrain par lequel s'échappaient les esclaves de la ville. Et puis, il y a eu la prohibition. Et le whisky de contrebande. Et maintenant... Maintenant, on entre clandestinement dans le futur. Donc voilà, l'hélico s'est scratché juste ici. Et on va lancer la mission. Impossible qu'il s'en sorte cette fois-ci. Hé, hey, le vieux! Tu respires là-dedans? Où est-ce qu'il est? Oh, c'est pas vrai. Wow! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, moi je m'en fous, je vais risquer ma vie juste pour pouvoir buter le. L'artiste de rue qui n'est plus là, mais alors. Godzilla, bonjour. Ça va la famille? Oula, qu'est-ce que... Vas-y, alors là, je vais te démonter. Oh putain. Le behemoth, oh là là, je me rappelle de ce... Oh, il est vraiment hardcore. Ça va être chaud. Heureusement que sa vie, quand même, descend assez vite. Mais bon, on a vraiment rarement l'occasion de pouvoir le frapper. Voilà, par exemple, on en a une, il vaut mieux se rapprocher, hein, c'est pas un problème. Et donc lui, il part dans l'autre côté. Il s'en fout de moi un peu, j'ai l'impression. Allez mec, je suis là. Qu'est-ce que... Oh, je vois ton petit bras là, mon gars. Putain, je vais faire une vidange. Oh, il fait spawn les crabes mutants là. Ne vous inquiétez pas, droite, droite. Vas-y, ah, hop. Vas-y, ramène. Ramène ta sale gueule là. Wow. Wow. C'est de calme. Oh. Genre. Non, je suis mort écrasé par une caisse, mais... Oh, la mort de merde. Hop, vais comment tu me déçois. Hop. Vas-y. Oh là 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 là, mon gars. Connerie de ta vie, je le sens, tu vas prendre très très cher. Allez. Ah, je vais bien descendre la life. C'est bien, c'est bien. Là, ça gère. On va s'éloigner le plus possible parce que la précision, c'est pas ce qui me manque au pire. Mais alors lui, dès qu'on est un peu trop proche, il balance son haleine dégueulasse là. Et on se fait juste violer. Et il y a la miss qui essaye de le combattre. Voilà. Ils y vont par commando. Ils sont assez nombreux. Mais ils s'occupent même pas de moi. Ça c'est cool. En fait, c'est juste pour les voir se faire tuer. Ou je pense pouvoir se recharger. C'est un élément de gameplay supplémentaire lors de ce combat de boss. Alors, vas-y, ramène ta... Oh là. On va essayer de le sniper. Ah ouais, ça fait très mal ça. Ça lui a fait très mal. Ah bah je l'ai raté sur les derniers coups. C'est pas grave.
pourra retenter notre chance autant qu'on voudra, je pense. Et vu qu'il n'y a pas d'objectif à part lui péter sa gueule. Alors. Vas-y. Voilà, c'est parfait. Donc on a déjà détruit deux de ses points faibles. Donc ces deux petits tétons là, ça y est, ils sont explosés. C'est parfait. Et merde, il tourne. Il va dans ce sens là, lui. Ok, je vois. Je vois le genre. Allez, crève. Ouais, pour moi, je gère. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une vidange parce qu'il me semble que ça nous régène non seulement la vie, mais aussi l'électricité. Dès qu'il y a un maximum de milices pour se faire l'XP qui va avec, ça serait parfait. Oh oh! Tu as montré tes points faibles! Ça va pas juste. Oh là là, c'est pas jusque là. T'appelles tes potes là. Tu crois que quoi? Allez hop! Tout le monde dégage, je crois que j'ai au moins fait 6 kills là. 7, parfait. Évidemment, donc c'est déjà rechargé. La milice qui ramène son cul. Alors vas-y, remonte-moi tes points faibles et je pense qu'à mon prochain assaut, t'es mort mon gars. Tu es fini! Allez mon gars. Oh dommage. Et ouais, ça use quand même beaucoup d'énergie. C'est assez cheaté le pouvoir du sniper quand on y repense. Faut qu'on trouve une grosse source des. Ah, m'énerve ce crabe là. Vite, recharge. J'ai pas assez encore. Il faut une grosse source. Il y a des lampadaires là, on va en profiter. Vite. Et recherche-toi sur le lampadaire. Ça fait pas genre t'es trop loin. Allez. Voilà, il a montré son bras le mec. Ah putain. J'arrive trop tard. Ah, il continue à tourner. Je sais pas ce qu'il veut. En fait ce monstre, ouais, il veut juste péter la gueule à tout le monde quoi. Allez, hop. Je pense qu'on l'a eu là. Ah, il faut vraiment lui exposer chacun de ses points faibles, donc il lui reste encore l'autre bras. Ah non, les deux bras ont. Enfin je lui ai pété les deux avant-bras, j'ai l'impression, non c'est ça? Je sais pas, j'arrive pas bien. Oh! C'est pas le moment de mourir là, c'est pas du tout le moment de crever. Non, c'est bien ça, il faut lui péter l'autre bras encore. Et je pense qu'on a gagné. Oh merde! Ah, mais de rien. Oh, dégage! Oh putain! Juste il a fallu que ce crabe y passe quoi. On va prendre ça, voilà. Je sais pas du tout. Ah, c'est Don't Walk. Tout le monde a les petits bonhommes, c'est. Ne marche pas! Tu vas te faire écraser alors. Vas-y, c'est parfait là, on est bon. Allez, crève! Le gaz nauséabond, les cris. C'était rien comparé à l'ordure à l'intérieur. Bertrand, moi seul connais son vrai visage. Ce type peut fuir tant qu'il veut, ça change rien. Je connais son secret. Et je suis à ses trousses. Ah, donc on a réussi la mission et moi je vous le dis, Bertrand, on va pas le lâcher. Donc voilà, il a obtenu ce pouvoir chelou là, genre biologique. C'est assez dégueulasse. Je me disais que tu voudrais peut-être venir. Je prépare les transformateurs. C'est vraiment lui, c'est un putain de mutant le mec. C'est, je sais pas. C'est vraiment assez laid, c'est donc lui qui est à l'origine normalement, ce que j'ai compris, des crabes mutants et de tout ce qui en découle. Donc ouais, il a vraiment quand même un putain de pouvoir. Alors, toi, on va te napalm la gueule. Voilà. On va récupérer le fragment qui est du coup juste là. Les gens sont que dalle. Il est temps qu'ils le sachent. Attendez, on va récupérer le pouvoir ionique. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si on peut changer changer les pouvoirs comme ça en plein milieu. Je sais que c'est possible avec le raccourci. Attendez. Ah oui, on peut même changer là comme ça. C'est vraiment très bien. Alors, bon, tant qu'à faire, c'est pas grave, on va devenir un peu plus gentil. Mais... Voilà, juste pour récupérer le fragment. C'est tellement gratuit ces trucs que bon. Alors, je vais quand même péter la gueule, mais il est pas. T'es pas très réactif, mon gars. Je sais pas. Je sais pas commenter, mais alors, voilà. Hop, dans la napalm, ça c'est fait. J'ai gagné qu'un XP. Genre, j'ai tué qu'un mec là. J'ai lancé une grenade en napalm, j'en ai eu qu'un. Ah non, ça me fait plus de points. Bizarre. Alors, hop, par là. Là, il y a un fragment. Celui-là aussi, il est donné. Voilà. Et on va lancer donc une nouvelle mission. Hé hey, vous prévoyez de rétablir le courant à Flood Town? Je sais bien que vous avez besoin d'un coup de main, mais moi, je cherche Bertrand. D'une pierre deux coups, c'est ça?
La journée promet d'être intéressante. Alors, okay, carrément, ils ont mis le transfo au-dessus du pont. Alors là, ça va vraiment être assez lourd, hein, voilà, comme toutes les missions d'activation, hein, comme on avait pu avoir dans les égouts. C'est bien, ils ont changé, tu vois, mais ils ont pas changé en mieux, en fait, ils ont changé ni en mieux ni en pire. C'est la même chose, mais juste présenté d'une façon différente. Franchement, pour débloquer les pouvoirs, la petite explication, là, quand on a échangé pour Nick, ça, c'est stylé, mais alors là, de devoir faire... Non, même pas, en fait, ça donne même plus de pouvoir de réactiver les transfo maintenant. Les habitants de Floodtown ont eu la vie dure. Quand les digues ont cédé, on a vraiment tout perdu. Nos maisons, notre passé, les gens qu'on aimait. J'ai perdu ma femme. Mais l'inondation nous a pas empêchés de nous entraider. Les gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. D'abord l'inondation, puis la milice de Bertrand, et maintenant ces monstres. Pah, il serait vraiment temps que ces gens respirent un peu. Voilà, donc là, on va accéder à un nouveau territoire, donc c'est la ville, enfin une sorte de petit, comment on appelle ça, bidonville, complètement englouti sous les flots. Et vous inquiétez pas, il y a encore quelques zones à découvrir, alors eux ils vont être assez relous, donc bon. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là, ces types ? D'après la milice, les hommes de glace étaient des mercenaires avant. Ils viennent d'Afrique du Sud, figure-toi. Depuis que tu les as foutus à la porte de ce labo clandestin, ils sont devenus complètement dingues et attaquent tous ceux qu'ils croisent dans les rues de Floodtown. Je suppose qu'ils ont perdu la boule après ce que Bertrand leur a fait. Ouais, bizarre. Ah non, on a perdu la boule, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer en groupe de 3-4 tous ceux qui passent. Voilà, comme ça on est... Alors ça, c'est vraiment la zone la plus chiante du jeu. Parce que, bah, comme vous pouvez constater, il y a de l'eau partout. Donc ouais, ça va... On va souvent avoir des morts assez débiles, comme par exemple faire un saut avec carré. Hein, je pense que tout le monde en jouant au jeu, il meurt au moins une fois comme ça. Saut carré, hop, tu t'écrases carrément dans l'eau à chaque fois, tu t'attendais pas à ce qu'il y ait l'eau juste à côté. Enfin, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur, mais bon, ça fait du bon training pour l'escalade. Ça, c'est cool. Alors voilà, exactement dans des cas comme ça, là, j'avais lâché pour pouvoir m'accrocher juste en bas et choper le fragment. Et je me suis retrouvé à l'eau. Alors voici un nouveau transfo. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas te dégager là-bas. Hop, toi tu crèves. Toi aussi. Alors pour le coup, ça c'est pratique à ce niveau-là pour électrocuter les gens. C'est vraiment au plaisir. Alors voilà, là j'ai fait une fois 5. Si j'arrive à choper encore l'eau, ce serait parfait. Voilà, au top. Et par contre, là ils vont être assez chiants les mecs. Est-ce que j'ai pas un endroit pour me recharger ? Est-ce qu'on va ? Ah voilà, parfait. Ça c'est parfait. Allez, venez. Venez vous bastonner les mecs, on va arrière, voilà. Voilà, c'est bon, là on a besoin de balancer que quelques éclairs et franchement c'est posé. C'est posé. Mais putain, ils ont ramené l'armée, c'est un truc de fou. L'armée de la milice africaine de glace, c'est un truc. C'est overpowered. Alors attendez, parce qu'il va y avoir une grosse explosion, barrez-vous. Putain, ça m'a fait que 10 XP x 2, je m'attendais à plus. Hé, hey, Ko, écoute, je sais que tu m'en veux sûrement. C'est du passé. Ok, c'est du passé. T'as choisi Nyx, c'était vraiment pas le meilleur choix. Mais t'es un mec. Et les mecs pensent pas toujours avec leur tête. Enfin bref. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a un boulot à faire, alors autant se concentrer là-dessus. Ça va, la meuf. Elle est complètement folle de moi, elle veut que je la baisse derrière un mur et elle me dit oh, mec, ils pensent pas qu'avec leur tête, hein. Ta gueule. Je fais une crise de jalousie et elle ouvre sa gueule, celle-là. Franchement, elle est un peu mal placée pour parler. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, hop, voilà. C'est un peu chiant, là, la vérité. Franchement, la mission transfo, les mecs, vous pouvez éviter, hein. Franchement. J'espère que dans le... De toute façon, je pense qu'il y aura plus ça dans la Second Son, hein, parce que tout bonnement, notre nouveau personnage ne contrôlera pas l'électricité. Alors ça, c'est dommage et bien en même temps, parce que du coup, l'émission transfo, ça dégage. Mais après, ça, on perd beaucoup de possibilités. Par exemple, on ne pourra plus lire dans les pensées des gens, vu qu'on ne contrôlera plus l'électricité du corps. Et le mec contrôle la fumée. Donc, ça va pas aller chercher très loin niveau possibilités.
Mais je pense qu'ils vont, ils vont bien remplacer ça par un bon scénario, un gameplay bien fun et du Infamous quoi. Du Infamous, ça suffit franchement. Enfin, si suffisait d'appeler un jeu Infamous pour qu'il soit bien. Non, mais du moment que ça lag pas, que les graphismes sont beaux et que le scénario est bien et que le gameplay est sympa, moi j'achète. Franchement, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Alors, franchement, ils sont... Ouais, c'est quand même une bonne occasion de se faire de l'XP, cette histoire transformateur, là. Alors, hop, tu dégages. Voilà. Toi, napalm dans ta gueule. Alors, j'ai pas l'impression qu'elle soit très puissante, cette grenade de napalm. Mais j'ai l'impression qu'elle fait quand même de l'électricité. Ouais, elle fait quand même de l'électricité, c'est pas mal. Ça, c'est un point positif. Alors, par exemple, si je fais ça... Voilà. Tu meurs électrocuté. Tu meurs électrocuté par du napalm. Moi j'aime la logique dans les jeux vidéo, c'est très bien. Alors là, attention à l'explosion les amis. Alors, très très mal. Voilà, donc ça me fait plus 10 XP. Vous avez dû rencontrer nos nouveaux proprios. C'est pas mort ça. Avant la milice contrôlait Floodtown, maintenant c'est ces monstres de glace. Pourquoi des gens se battraient pour son coin sans vouloir vous vexer? Ils ont détruit Floodtown depuis qu'ils ont débarqué ici. Ils cherchent quelque chose. Un petit secret caché derrière cette ville de merde. Alors, hop là. On va donc activer, j'espère, le dernier transfo, s'il vous plaît, le dernier. Ah, là on retourne vers... Ah ouais, là c'est carrément des immeubles délabrés. Je pense que c'est la fin, ouais. Là on touche au bout de la map, j'ai l'impression. Et ça va être chaud à atteindre comme endroit, je crois, hein, je pense. Et ça a l'air de plutôt appartenir à la milice, cet endroit. Enfin, vu comment c'est aménagé, on peut reconnaître, c'est cool. Franchement, ah ouais, mais on remarque, hein, par rapport au Infamous 1, ou tout bonnement avant qu'on débloque les propulseurs améliorés, franchement, ils sont au top. Voilà, donc on se retrouve après un haut signal, hein. J'ai envie de vous dire, vous avez l'habitude. C'est même naturel maintenant que ça arrive dans mes vidéos. Alors, on va récupérer le fragment gratuit, voilà. Ça donne de l'XP, mais dans les fragments, ça c'est cool aussi. Hein, chose à remarquer. Hop là. Après, si vous voulez savoir encore pour mes nouvelles SP, parce que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, je suis allé voir les dernières sorties, et franchement, je me suis fait une petite idée, je vais vous compter ça de suite. De suite, vu que là, ça va être le gros fight, donc... un petit peu de discussion sérieuse lors de ce bordel. Donc ce que je peux vous dire, c'est que je pense vous faire en let's play le Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Voilà, donc un jeu qui est là justement pour introduire le Phantom Pain, il me semble. Voilà, qui sera 100 fois plus grand, enfin la map sera 100 fois plus grande, il me semble, que sur le Ground Zero. Mais le Ground Zero a l'air vraiment très très bien, et d'ailleurs c'est un des jeux les plus attendus sur PS4, et il sort en mars, voilà, donc dans les mêmes tons qu'Infamous The Second Son. Donc vous inquiétez pas, normalement vous aurez le droit aux deux. D'ailleurs je suis allé précommander le Infamous il y a pas si longtemps que ça, ainsi que le DBZ Battle of Z pour ma chaîne manga. Je vous préviens, je le ferai pas en let's play parce que j'aime pas l'histoire des BZ. T'as entendu parler du poste médical de La Roche? Et oui, là je vais me faire insulter. J'ai trouvé un antidote à l'épidémie. Tu pourrais donner un coup de main? Tu devrais venir. Allez là, petit coup de pied au cul. Ils donnent quand même 10 XP ces connards. Bon, c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup plus puissants que les soldats de la milice. Mais bon, ça va quand même nous faire up assez rapidement. Je veux juste le fragment, monsieur. Si tu peux me laisser tranquille le temps que je le récupère, ça serait cool. Voilà. Je pense que nous on va s'arrêter là. Juste le temps de se déplacer un peu vers la mission, voir de quoi on peut discuter. Je vais vous parler justement des let's play que je prévois de faire. Donc le Metal Gear Solid 5, hein, Ground Zero. Et pour la peine, en fait la mission était juste là. Donc on va faire des petits objectifs secondaires, voilà, pour l'instant. Donc le Metal Gear Solid 5 Ground Zero, donc évidemment je ferai aussi le Phantom Pain. Et mais vous inquiétez pas, pas seulement, car évidemment donc il y aura le Infamous The Second Son. Je prévois aussi donc The Division, Watch Dogs, enfin des gros jeux, mais j'essaierai de pas me faire avoir parce que bon maintenant je commence à un petit peu avoir l'habitude avec les jeux.
Et je sais que par exemple Tief, à mon avis, ça va être du gros pinage. Ça va être un peu de la merde. Watch Dogs aussi, je sens que ça va être de la merde, mais bon, vu tous les trailers fantastiques qu'on a eu le droit, etc. Bon, je pense que le jeu mérite sa chance quand même, hein. Et après, voilà tout. Voilà, et évidemment, vu qu'il y aura le Metal Gear Solid 5, enfin les deux, qui seront faits en let's play, je pense vous faire les let's play des anciens. Voilà, donc je les ai pas tous. J'ai la HD collection seulement, mais je pourrais aussi acheter le 4, même si on n'aura pas le temps de tous les finir avant la sortie du 5. Mais on pourra s'en faire quand même pas mal, peut-être toute la HD collection, on verra. Surtout qu'en ce moment, je suis en train de me les faire, les HD collection, comme vous pouvez le constater, on fait God of War. Pardon, je perds un peu ma voix. Et on a fait Devil May Cry, qu'on finira donc sur le 3ème opus. Et on continuera sur le 4ème que j'ai acheté évidemment à part, vu qu'il ne fait pas partie de la HD Collection. Les graphismes sont toujours pas. Sont toujours un petit peu d'actualité, on peut dire. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine.